Bien, bonjour à tous. Alors Marie-Josée nous a fait un magnifique cadeau en nous invitant à cette journée et en nous invitant à réfléchir ensemble et à échanger, à dialoguer. Pour ma part, elle ne m'a pas fait un cadeau en me proposant de terminer la matinée, de passer après Jean-Louis Lemoigne, Alain-Charles Martinet, et de faire la transition entre eux. Ces propos fondateurs qui vont finalement poser quelques fondations pour la suite de la journée et ce qui va être développé l'après-midi. Donc, c'était pas un cadeau, Marie-Jo, mais voilà. Alors, de manière surprenante, je n'ai pas eu, paradoxalement, d'injonction. Fais-toi plaisir. Ben finalement, j'aurais peut-être préféré avoir une injonction. Et du coup, je me suis dit, ben finalement, Marie-Jo m'invite, comme certains d'entre nous, à revisiter un parcours. Et un parcours qui, ben, j'ai décompté. Voilà. Qui me renvoie à quelques jalons. Vous noterez que dans les jalons, je n'ai mis que des ouvrages, pas des articles, même si j'en ai écrit quelques-uns. Mais finalement, à bien y réfléchir, c'est dans un ouvrage qu'on réfléchit le mieux et qu'on pense peut-être le mieux. En tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Bref, quelques jalons, et dans ces jalons, eh bien, les premiers, j'ai les doigts à Jean-Louis, qui était dans mon jury de thèse, qui m'a invité à me joindre à MCX, et qui m'a présenté Marie-Josée Avenier, qui faisait de la stratégie. Et moi, je lui dis, oh là là, je ne fais pas de stratégie, moi. Moi, je fais de la logistique. Vous savez, le truc très simple, l'intendance suivra. Truc très simple. Ça pose de problème à personne. D'ailleurs, personne n'en parle, comme ça. Tranquille. Et cette invitation nous a amenés à dialoguer. Elle, elle était dans la stratégie. Moi, j'étais dans les palettes et les camions. Et on se disait qu'on avait plein de choses à se dire. Parce que finalement, ben, il y a des gens qui pensent la stratégie puis qui disent, bon, ben, débrouillez-vous, hein, faut livrer ça, tout ça, à 6h du matin. Hop, hop, hop. Ouais, hop, hop, hop. Si t'as pas pensé le truc avant, si t'as pas réfléchi avant, le hop hop hop, il peut pas se faire. Bon, en tout cas, pas toujours. Et là, j'ai senti quelque part une invitation à un travail épistémique, parce qu'avant 92, j'en faisais pas, je le dis sincèrement, hein, voilà. J'ai commencé à en faire en rentrant finalement dans ce réseau. J'ai commencé à faire ce travail épistémique et à me dire finalement... comment je vais articuler dans mon travail de chercheur ce que je fais dans le domaine de la logistique, ce domaine très simple où on optimise beaucoup, beaucoup de recherches opérationnelles, beaucoup de bah, on optimise beaucoup. Et puis cette vision stratégique que l'on va à la fois servir, top-down, mais en même temps, où on va peut-être faire valoir, si on nous donne la parole, pas sûr, mais si on nous donne la parole, on va peut-être faire émerger des stratégies à partir d'une réflexion sur comment ça circule dans les entreprises. Et donc c'est tout cela, finalement, je me rends compte, hein, c'est-à-dire que voilà, tu m'as invité à réfléchir, j'ai réfléchi, et finalement je me rends compte que tout ce travail qu'on a fait, y compris avec EDF, parce que j'ai le souvenir d'un mémorable séminaire avec Alain Charles, où on a pensé aussi avec de la stratégie et de la logistique à EDF. Et finalement, eh bien, ce travail fondateur dans ces années 90, où j'ai regardé la logistique différemment, avec le regard systémique, avec le regard de la complexité, avec cette articulation entre le terrain très simple et où on met en général, où on mettait en tout cas les plus mauvais de l'entreprise, parce qu'on ne savait pas où les mettre ailleurs, alors on les mettait dans les entrepôts, hein, c'est quand même là où ils feront peut-être moins de dégâts, c'est complètement faux évidemment, mais voilà. Et puis les penseurs de la stratégie, qui eux ne mettent surtout pas les mains dans le cambouis, comme l'évoquait Jean-Louis.
Voilà. Et ce chemin, eh bien, il y a eu quelques jalons. Je suis assez ravie de voir dans la salle des collègues avec qui on a pu travailler sur certains ouvrages. Et vous voyez, une pensée, ça met du temps parce que finalement, les jalons, c'est tous les 5 ans et pas plus. Donc les injonctions à la publication tous les jours, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, c'était pour poser un petit peu l'histoire, le cheminement. Et avec un jalon essentiel, le livre est là. Le jalon essentiel, c'est cet ouvrage avec Marie-Josée et d'autres collègues sur stratégie chemin faisant, qui finalement eh bien, a été une manière de générer tout un tas d'idées qui sont encore vivantes et que je travaille toujours, puisque si vous avez l'occasion de lire les chapitres de ces ouvrages que j'ai pu commettre, eh bien, je reviens toujours sur, comme le disait Alain Charles, qu'est-ce que c'est fondamentalement que la logistique, c'est comment attraper ce phénomène éminemment complexe, même si tout le monde veut le voir comme très simple, parce que c'est des processus, des flux qui rencontrent des organisations avec des structures, et donc on ne sait pas trop par quel bout l'attraper, qu'on doit dialoguer avec effectivement la stratégie, on ne sait pas à qui décide de quoi. Bref, on est pleinement dans ces questions-là, dans tous ces chapitres. Alors comme je le disais, je partage aussi avec Marie-Josée, et depuis le début, un certain nombre de principes de travail qui me semblent importants de préciser pour les collègues qui ne connaîtraient pas mes travaux. Donc oui, je m'inscris totalement depuis toujours dans la contribution de ce domaine. Alors tu évoquais tout à l'heure finance et stratégie. Eh bien moi, c'est logistique et stratégie. Mais effectivement, ce dialogue entre une fonction ou un domaine ou un processus à définir, et là aussi, c'est important de définir qu'est-ce qu'on met derrière ces mots quand on les utilise, et la fabrique de la stratégie, ou le strategizing, ou la stratégie chemin faisant, peu importe. Voilà, mais en tout cas, c'est cette fabrication de l'agir stratégique et du penser stratégique. Comme beaucoup ici, je travaille avec les entreprises. Alors, qui dit travailler avec ne veut pas dire toujours complètement dedans, ni complètement dans la recherche-action, mais en tout cas en intelligence avec l'entreprise, l'organisation, les gens qui sont dedans et à tous les niveaux. De l'opérateur de base jusqu'au dirigeant, et en essayant toujours, avec beaucoup de modestie, d'avoir des apports tant théoriques, méthodologiques, que bien sûr managériaux, et en posant toujours cette question, est-ce que c'est valable tout ça ? Et j'adhère assez, comme toi, à l'idée que, eh bien, il y a un contexte, une écologie, il y a une intentionnalité, et que les réponses que l'on trouve à un moment donné, eh bien, sont forcément liées à ce contexte dans lequel on travaille, ce qui nous amène effectivement dans l'équipe que je dirige à avoir pas mal de travaux effectivement assez contextualisés dans des industries particulières, sur des époques particulières, pour comprendre en profondeur les fonctionnements. Alors, aujourd'hui, et j'ai pas beaucoup de temps parce que voilà, le temps malheureusement coule comme les flux physiques, financiers et d'informations sur lesquelles nous travaillons, ce que j'ai fait pour préparer cette journée, et encore une fois, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai écrit parce qu'il y en a des pages et des pages, je vais essayer d'être concise, mais ce que j'ai essayé de faire finalement, c'est de reprendre ce chapitre 9 sur la logistique et la contribution de la logistique à la stratégie, en me disant, tiens, finalement, quelques 20 ans, 30 ans plus tard, est-ce que ça tient encore ? Est-ce que ça tient encore ? Et j'ai essayé de relire ce chapitre à la lumière des derniers travaux qu'on a pu faire, et certains collègues ont participé à certains de ces travaux, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, autour finalement de la logistique durable, ou plutôt de la contribution de la logistique à la stratégie en contexte de développement durable, enfin mettons le sens qu'on veut. Alors pourquoi j'ai choisi ça ? Eh bien parce que fondamentalement, dans les entreprises et en logistique, cette prise en considération du citoyen, de l'environnement écologique, des pauvres, avec les fameuses stratégies BOP que tu évoquais, eh bien ça a amené les entreprises à repenser,
reconceptualiser, pour certaines, faire une réingénierie de leur stratégie logistique. Et là, pour nous, c'était un formidable laboratoire, un formidable terrain d'observation, de jeu et de dialogue, pour voir comment se repensaient ces stratégies dans ce contexte-là. Et bien sûr, eh bien là, c'est très bien pour challenger un livre qui maintenant a bientôt 30 ans. Voilà. Alors, 20 ans, oui. Alors, je ne vais pas décliner complètement cette slide-là parce que finalement, tout a été dit, à peu près, sur, Marie-Josée essentiellement l'a dit, et encore une fois, on est dans une compréhension d'un phénomène qui n'est pas strictement intra-organisationnel, mais qui est inter-organisationnel, qui pose des questions de frontières, qui pose des questions de quel est l'optimum s'il y en a un, quel est le critère à optimiser s'il n'y en a qu'un, et rapidement on se rend bien compte qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qui pose le problème de l'évaluation, comme l'évoquait Marie-Josée, comment j'évalue la performance de cette chose, ce processus, quelles sont les valeurs qu'il va créer et pour qui, bref, toutes ces questions-là, et comment ce dialogue entre des gens très engagés dans le terrain au quotidien et ceux qui pensent la stratégie peut s'organiser dans l'entreprise, comment trouver ces relais de communication au sens fort dans la firme. Ça a été le sujet de nos travaux dans les années 90, et en considérant bien qu'effectivement, une approche de type systémique, une réflexion par la complexité, était la bonne manière, finalement, de penser différemment, par rapport à tout ce qui s'écrivait à l'époque, eh bien, ces questions de logistique, de supply chain management, comme on pourrait les nommer. Alors, sur quelle base j'ai relu ce chapitre? Eh bien, un certain nombre de choses, et l'intervention d'Alain Charles m'a tout à fait rentre en résonance avec la mienne, puisqu'effectivement, j'ai eu besoin, pour relire ce chapitre et le challenger, de revenir sur des travaux que j'ai pu faire avec des collègues, des doctorants, ou qui ont été faits dans l'équipe que je dirige aujourd'hui, à différents niveaux. Effectivement, je ne peux pas challenger sans me dire un groupe particulier, avec lequel je travaille aujourd'hui, ce groupe particulier, comment il a repensé sa stratégie? Et ça, c'est l'entreprise. Hein, je suis au niveau d'analyse, dirait-on, unité d'analyse, dirait-on, c'est l'entreprise. Mais on travaille aussi avec un groupe, alors je nomme pas l'entreprise, je ne peux pas, mais le groupe, je peux le nommer, c'est Déméter. On travaille dans un groupe d'entreprises qui essaie de trouver, à plusieurs, sur une supply chain, eh bien, des formes de management collaboratif plus durables. Et là, on n'est déjà plus sur l'unité entreprise, on est sur un réseau, une chaîne, ou du moins des partenariats qui ne sont pas des dyades d'ailleurs, hein, jamais des dyades, on ne s'en sort jamais ni tout seul, ni à deux, mais on s'en sort à plusieurs, sans qu'il y ait forcément de pilote, hein, encore une fois, dans ces chaînes ou dans ces réseaux. Et le giratoire est une métaphore qui peut être effectivement fort intéressante quand on regarde ces stratégies durables se mettre en place. Et on a besoin des territoires, absolument, parce qu'effectivement, si je regarde tout ce qui se fait et des collègues travaillent sur la logistique urbaine ici, eh bien, le territoire a du sens et ce travail avec les gens qui sont en charge, les institutions, eh bien, oui, c'est indispensable. On ne peut pas travailler proprement sans intégrer ces dimensions et sans intégrer, bien sûr, les citoyens et leurs organisations représentantes dans ces travaux. Donc, finalement, c'est un ensemble de travaux qu'il faut développer à plusieurs étages, parce qu'on ne peut pas toujours tout prendre. Hein. On est obligé d'opérer des clôtures, malheureusement. On a beau être holistique, à un moment donné, il faut quand même tracer de temps en temps des petites frontières et puis des bornes pour qualifier proprement les travaux de recherche. Tant pis, mais on sait qu'on passe probablement à côté de choses importantes, c'est ce que tu mentionnais. Et c'est ça dont il faut être parfaitement conscient quand on travaille sur ces sujets.
Alors, qu'est-ce que je retiens de cette lecture, et c'est avec ces deux dernières slides que je finirai. Eh bien, je confirme, quand on travaille sur les concepts, quand on travaille sérieusement en pensée et avec des terrains d'observation adaptés et avec des méthodes adaptées, eh bien, on produit de la connaissance durable, au sens où, eh bien, certains exemples peuvent être considérés comme un peu obsolètes, mais sur le fond, eh bien, ça reste extrêmement pertinent et utile encore pour travailler. Donc, merci pour ce livre et cette expérience collective où, en plus, les collègues qui étaient là, eh bien, ont mené un travail sans concession, hein, les unes par rapport aux autres. En plus, un livre de filles en stratégie, vous imaginez ? En 97, ils nous regardaient, là, tous ces messieurs. Livre de filles. Blonde, en plus. Et donc, en l'occurrence, oui, ce travail conceptuel, cette exigence derrière les mots que l'on utilise, est-ce qu'on s'est compris ? Est-ce qu'on peut faire de la reliance avec le CPPC et d'autres choses encore? Est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Et est-ce qu'on a bien compris ce qu'on voulait dire les unes et les autres? Et là, on arrive effectivement à produire des choses durables et qui méritent en tout cas d'être relues. L'autre chose, c'est que dès qu'on travaille sur les mots, eh bien, on commence à déconstruire les mythes. Et il faut déconstruire les mythes. Alors, je fais partie des gens qui militent pour qu'on déconstruise, et avec mes doctorants, c'est un travail que je fais, hein, arrêter de prendre les choses pour acquises, aller au-delà de l'apparence que peuvent donner certains travaux, et réfléchissez encore avant de aller vers vos recherches doctorales, par exemple. Et bien sûr, eh bien, on a appris plus, je dois le dire. On sentait bien en 97 qu'il y avait une réflexion méthodologique qui n'était pas encore aboutie. On sentait bien que ce travail épistémique, il était encore un peu confus et pas forcément très propre. Donc c'est vrai que depuis, on a bien avancé. Et je pense que cet après-midi, les collègues qui vont intervenir sur les questions méthodologiques vont apporter des choses qu'on n'avait pas à l'époque et qu'on n'a pas été capable, très clairement, de... Voilà. Voilà. Mais, en tout état de cause, on a avancé sur certains sujets, notamment ces questions de frontières, hein, qui restent prégnantes, d'interface pour nous en logistique, et ces questions d'unités d'analyse imbriquées sur lesquelles il faut absolument correctement travailler. Sinon, on fait un peu n'importe quoi, et je rejoins assez Alain Char là-dessus. Alors, les choses nouvelles... Alors, parmi les choses nouvelles, je vais rejoindre Marie-Josée, comme quoi on n'a pas travaillé ces derniers temps vraiment ensemble, mais nos chemins, finalement, continuent à dialoguer à distance. On s'est rendu compte que dans ces questions de logistique durable, la représentation que les gens se font, un, de la logistique, et deux, de ce qui est durable ou pas durable, eh bien, c'est fondamental. Et que l'intentionnalité des acteurs, ce qui rejoint un autre travail qu'on a pu faire avec Pascal, cette intentionnalité-là, elle est déterminante dans la machine d'élaboration de la stratégie. Et donc, l'individu, qui était un peu négligé, je trouve, dans nos travaux organisationnels, stratégiques, eh bien, revient comme une figure importante, ce qui rejoint un petit peu tous les travaux aussi sur l'entrepreneuriat. Hein, effectivement, l'individu, je suis désolée, mais si le consommateur il continue à mélanger ses poubelles, eh ben, on ne va pas aller bien loin, sauf à trouver des technologies qui vont trier pour lui. De la même manière, si en entrepôt, le préparateur ne respecte pas les consignes sur la couleur des poubelles, c'est pareil, on n'aura pas un travail très sérieux là-dessus. Bon. Donc, et si le dirigeant n'est pas convaincu qu'il faut aller vers plus de responsabilité, d'éthique et d'autres choses, bon, il va faire semblant, il va satisfaire aux critères imposés par les labels qui vont bien, et ça ira pas beaucoup plus loin entre le dire et le faire. On sait quel écart il peut y avoir, surtout dans ces domaines. Donc ça, c'est un autre point.
L'autre point, c'est que dans les années 90, on disait finalement la collaboration, c'est un choix. Vous pouvez ne pas collaborer. Ben, je peux vous dire que la mise en acte de stratégie logistique durable, tout seul, vous n'arrivez à rien. Rien du tout. Et les travaux au sein du groupe Demeter montrent bien que tout seul, on ne peut pas faire une chaîne logistique durable. C'est juste impossible. Donc la collaboration n'est plus un choix. La question, c'est qu'est-ce que c'est, comment on le fait et comment on la vit. Et ça, ça renvoie à la dynamique du système collaboratif qu'il faut étudier beaucoup plus. Et là, il faut rentrer dans la machine, il faut ouvrir la boîte noire, il faut rentrer dans la fabrication de cette collaboration. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, bien sûr, on travaille actuellement. Par ailleurs, on a bien compris aussi que l'incertitude était considérable et qu'il y a des solidarités à construire entre les entreprises qui se manifestent plus ou moins. On a vu les constructeurs automobiles être finalement, lors de la crise, très solidaires de leurs équipementiers, alors que dans certains cas, ils sont très méchants avec eux. Mais on sent bien que quand le réseau est en danger, eh bien, les gens arrivent à penser intelligemment. Donc l'intelligence, oui, elle y est, pas toujours, mais elle y est. Et ça aussi, c'est intéressant d'étudier mieux quand l'intelligence se manifeste, pourquoi et sous quelle forme. Et par ailleurs, eh bien, le sentiment très profond qu'on a aussi à l'issue de tous ces travaux, c'est qu'on est sur un chemin qui se construit effectivement en marchant. Et ça, encore plus, je pense, que dans les années 90, parce que les années 90, on se disait, bon, alors, on va faire de la stratégie pendant 6 mois, puis une fois qu'on aura décidé, on va pouvoir se reposer pendant 2 ans, puis après, hop, on refera de la stratégie, et puis hop, on va se reposer. On sent bien que là, c'est plus possible non plus. Et qu'on est dans une boucle d'évaluation, de test. On ne peut pas d'ailleurs tout déployer d'un coup sur toute la supply chain, ce n'est pas possible non plus. Donc on fait des petits bouts, on évalue. En même temps qu'on fait des choses, on en apprend sur ce qu'on a fait. Ce qu'on apprend fait évoluer la connaissance qu'on en a. Dès lors qu'on sait mieux pourquoi ça fonctionne comme ça, alors on peut faire un autre pilote. On se dit, ah, puis on n'avait pas les bons KPI, ça c'est pas, ça va pas, donc il faut changer les mesures de performance. Et puis, ah, on n'a pas le bon système de traçabilité, donc il va falloir changer les systèmes d'information pour recueillir plus d'informations sur les émissions carbone liées à chaque transport qu'on va faire, par exemple. Bref, on sent bien qu'il y a toute cette machine qui ne s'arrête jamais et qu'effectivement, il faut que nous soyons tous des stratèges dans l'entreprise, y compris les gens qu'on a tendance un peu à mépriser et qui sont au plus bas de l'échelle de l'organigramme. Donc ça, c'est fondamental. Et effectivement, au passage, j'en ai mis quelques-uns pour finir, eh bien, ce principe dialogique, on en observe pas mal de manifestations. Alors, avec certains collègues, on travaille sur, effectivement, robustesse, résilience, adaptation, adaptabilité, contrôle, autonomie, parce que le pilote de la supply chain qui contrôle toute la supply chain, s'il y en a un dans la salle, je suis intéressée. On a mis à jour, à travers toutes ces recherches, un certain nombre de principes dialogiques qui, encore une fois, ne demandent pas qu'on tranche. Il ne faut pas trancher. Mais plutôt, comment je fais avec ? Comment je fais avec ces choses qui sont le management logistique d'aujourd'hui dans un contexte de développement durable, et à condition, bien sûr, que les entreprises considèrent la logistique comme suffisamment stratégique pour s'y intéresser. Voilà, je vous remercie et je prends la parole.